Salut à toutes et à tous, c'est Okrad et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre Let's Play sur Mini Ninja. Et c'est parti, on s'était quitté ici sous la pluie et vous voyez que depuis la dernière fois, eh ben, il pleut toujours. La pluie est toujours aussi battante, il pleut des cordes comme on dit, et là on ne croit pas si bien dire parce que c'est vraiment des cordes. Et puis ben voilà, on va continuer, on en était ici et puis c'est tout. Et puis c'est comme ça, et puis c'est bien. Tiens d'ailleurs je vais mettre mon chapeau de ninja parce que ça va tout mouiller mon costume sinon. N'importe quoi. Allez hop, la porte est bloquée, impossible de l'ouvrir. Ok, et je suis censé faire comment? Ouais. Ça commence bien. Ouais. Ah d'accord. Ah peut-être péter le truc, non? Ah non. Ouais. C'est bien par là que je dois aller pourtant. Ah non. Bon. Eh bien, ce n'est pas par là. Donc on commence déjà sur un fail. C'est plutôt pas mal. D'entrée de jeu comme ça, ça fait quoi, une minute que ça tourne et il y a déjà un fail. Donc c'est bien. Ouais, c'est par là. Ah bah oui, suis-je bête. Suis-je bête, on vient de là, donc la porte est fermée forcément. Quel abruti! Oh, c'est... Oula! Ouais, c'est chaud ici, putain, j'ai failli tomber! Hop là! Qu'est-ce qui se passe? Ces tremblements de terre ne me disent rien qui vaille. Je vais descendre la vallée jusqu'à la rivière. J'espère y trouver Tora. Shun! Ça me fait rire comme nom. Ne me demandez pas pourquoi. Vous devez vous en douter, bande de coquins. Allez. Là, j'entends crier. On entend... Là, il y a une petite statue. Hop. Donc à chaque fois, il y en a 8. Je les trouve jamais toutes. Hein. Je préfère vous le dire. J'en vois une deuxième là. Mais c'est tout. Viens ici. Viens ici. Voilà. 2 sur 8. Oh, il y a beaucoup de ninjas là-bas. Enfin, de samouraïs. Les ninjas, c'est nous. Nous, on est gentils. Ouais. En plus, avec cette pluie, on voit rien du tout. Pénètre dans le château. Oui, je vais pénétrer dans le château. N'importe quoi. Ouf, là, j'ai pénétré dans le vide, surtout. Hein. Alors, on va faire ça. Hop, technique ancestrale. Technique ancestrale, ouais. Merde. Bon. Ma foi, c'est pas terrible. C'est un peu du porte-nawak ce que je fais, là. Maintiens L2 pour te cacher dans les buissons. Ok. On va se cacher dans les buissons. Sinon, ça va être tendu. On va passer là. Ah, je crois avoir trouvé. J'ai peut-être trouvé une solution. Hop, on va se cacher là. J'espère ne pas être repéré. Ils vont passer tout près de moi. En plus, il me reste qu'un cœur, parce que je me suis bien fail comme un boulet. Faut pas me voir. On croise les doigts. Ils m'ont pas vu. Ils se barrent. Et ça, c'est beau. C'est beau. C'est artistique. Voilà, alors là, on me voit pas. Je vais passer. Et hop, on secoue, on prend les pommes. Voilà, ça c'est beau. C'est parfait. Hop. Ah non. Oh purée, ils sont là. Et ils sonnent l'alerte en plus. Ah voilà, c'est bon. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Là, ça va être tendu. Ça va être tendu du slip, les amis. Je sais pas ce que je dois faire. Ils sont repartis en vadrouille, eux. C'est bon. Voilà. Je suis dans le château. Oula, oh là là. Ah, j'ai pas trop envie de l'affronter, lui. Ah, ça, je peux vous le dire, les amis. Ouh. Oh my god.
On va se mettre là. Puis si vous voulez mon avis, lui, on va pas trop l'emmerder. Hop, 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 dans les buissons. Alors j'espère qu'il a pas trop une bonne vue. Parce que sinon, on est mal. Hop. Pour l'instant, regarde pas par ici. Alors on va avancer un maximum. Tchoukou, tchoukou, tchouk. Tourne pas, tourne pas, tourne pas. Ah, s'il arrive. On va rester dans le buisson pendant ce temps-là. Non, c'est bon, il fait demi-tour. Donc du coup, je vais continuer. Voilà. Là, on ne voit pas. Là, on me voit. On me voit plus. On me voit. Et hop. On va choper la statue. On va aller libérer les copains. Merci pour l'expérience. C'est surtout ça qui m'intéresse, en fait. Récompense niveau supérieur. Bonus attaque spéciale. Ton attaque spéciale peut maintenant toucher un ennemi de plus. Ah, cool, je vais pouvoir en toucher 3 au lieu de 2. Ça, c'est bien. Des petites bambinettes. On va retourner là-bas. Il va falloir passer discret avec lui, parce que sinon, on va vite se faire démolir. Et ça, c'est pas bon. Oh, on va se planquer, hop, voilà. Pour l'instant, ça ne me voit pas. Hop, on va essayer de passer discret. Alors là, le gros est là-bas. Ça va être bouillant. On va essayer de tuer celui-là discret. Hop. On m'a vu, il m'a vu. Hop, on l'assomme et on le déglingue avant que les autres là-bas arrivent. Sinon, on est mal. Hop, voilà. On se recache. On va essayer de jouer la discrétion. Je vous garantis pas que ça va fonctionner, mais au moins on va essayer. Après, si ça tourne au vinaigre, eh ben on fightera. Ah oui, moi je ventile, moi. Allez, c'est parti. Oh, il y en a combien, là? 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4 petits, un gros et un très gros là-bas. Le gros là-bas a fait demi-tour, eux aussi. On va passer dans leur dos, discret. Voilà. Là, on est caché. On avance à côté d'eux. Heureusement, ils sont un peu stupides. Ça, c'est un peu l'avantage quand même. Parce que là, sinon, on serait bien dans le caca. Alors là, j'espère qu'ils vont pas faire demi-tour en plein milieu du truc. Non, 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 non. Oui, yes, c'est bon. C'était juste, mais c'est bon. Allez, cassez-vous. Allez, oh. J'aime bien les petits bruits et tout. Franchement, c'est bien foutu. On va aller libérer les deux, les copains là-bas. Il y en a deux ou trois. Deux. Hop. Voilà, hop. C'est bon, ça c'est fait. Oh merde, je suis repéré. Hop, dégage. Toi le rouge, dégage. Oh, j'ai été repéré par des gardes ou je ne sais quoi. Je sais pas comment ils m'ont vu ceux-là, mais ils m'ont vu. Là, ça c'est sûr. Voilà. Ouf, il a volé. L'autre, il a volé, c'était beau. C'était plutôt artistique. Hop. Hop, un soldat de moins encore. Et là, le gros, il va fuir. Hein. Là, il va flipper. Hop, et il m'a touché quand même. Hein. Dis donc, le vilain. Et voilà. Ça, c'est fait. Je vous avais dit, hein, si ça tourne au vinaigre, on y va. De toute façon, on va pas se laisser faire non plus. Hein. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, on est bon. Le gros là-bas. On va voir ce qu'on peut faire pour lui. Tiens, je me demande... non, il n'y a pas d'oiseau. Par contre, s'il y aurait eu un oiseau, je me demande si... On peut faire... Alors, Futo est efficace contre les grands samouraïs armés de massue. Appuie sur L1 pour le sélectionner. D'accord. Donc L1, Futo.
Alors lui, niveau discrétion, c'est pas ça, hein. Allez, viens. Oh, ah ouais, d'accord. Ok, il y va. Wow. Ah ouais, il est costaud quand même. Hein. Dégage. Oh non. Allez, viens. Non! Mais comment? C'est pas possible. Ah, je dois tout recommencer, c'est horrible. Ah non, j'ai horreur de ça. Bon, allez, là, on se dépêche. Ah, j'aime pas quand je dois tout recommencer comme ça. Alors, le gros, là, je sais vraiment pas comment je vais l'affronter. Hein. Ils disent qu'il est efficace, Fouto. Ouais, il est efficace de rien du tout. On a surtout fait mourir, c'est tout ce que ça m'a fait. Le petit là, Hiro, l'avantage qu'il a, ouais, c'est qu'il est, comment dire, il est beaucoup plus agile, beaucoup plus souple, et donc du coup c'est, ça va beaucoup mieux pour l'attaquer, parce que là le Fouto, il est quand même assez lourd, donc du coup bah, on se fait assez vite tuer, ça c'est chiant. Bon, alors là on y va, ah moi j'y vais à la bourre hein, maintenant, allez viens, dégage, voilà, qu'est-ce qui se passe, toi aussi t'en veux, allez, mange. Puis dégage. Hop. Hop, hop. Ça dégage. Toi aussi, le gros. Non, non, viens ici. Qu'est-ce qu'il dit, lui, Ikea? Non, non, pas Ikea. Allez, viens te battre. Viens te battre si t'es un homme. Allez, hop. Voilà. Oh, mais tu n'étais pas un homme, tu étais un animal. C'est pour ça que tu voulais pas te battre. Bon, je commence à péter les plombs, c'est bien parti pour ce let's play. Si déjà au quatrième épisode je pète les plombs, ah bah ça promet pour la suite. Allez hop. Et voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce gros là? Ah il y en a encore là. Allez. Bim. Allez hop, toi tu prends cher, toi aussi, je t'assomme et tu crèves. Et oui, c'est ça. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Chez Okrad, chez Okrad. Ah, derrière, d'accord. Alors, hop, Fouto. Donc faut que je l'attaque par derrière. Comme un lâche, je sais, mais c'est ce qu'il faut que je fasse. Alors, pourvu qu'il ne me voit pas. Ah, là, il y a des risques quand même. Ouais. Yes, c'est bon. Yesterday, tu vas crever, gros sac. Du moins, j'espère. Yah! Tac! Hop! Hop. Oh, bim! Cette mise à l'amende, les amis, c'était beau. Hop, on reprend Hiro pour les petits. Puisqu'il est beaucoup plus agile. Et ça, c'est bien. Écoutez, là, je suis content. Là, je l'ai eu. J'ai compris le système. Je suis assez fier. Enjeu de taille. Oh, il y a des archers. Donc, on va tuer les archers aussi. Ah, allez, hop là. Il y a d'ailleurs, on dirait, sur leur drapeau, on dirait un peu le symbole de la marque Le Sieur. Vous savez, les huiles, regardez. Bienvenue au temple Le Sieur. Ah, c'est quoi ça? Ah. Ça tire encore, ok. Donc, toi, t'es un vilain comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Boule de feu. Boum! Et ça c'est fait. C'est joli. Hop! Ah là je l'ai raté. Quoique, non, c'est bon. C'est passé.
que ça donne. C'est bon. Si tu es perdu, n'oublie pas d'utiliser ta boussole en appuyant sur la flèche du haut. Hop, petite sauvegarde. Les fruits, on récupère. Voilà. On récupère la fleur. Hop. Non, ça, là, il n'y a rien. Là non plus. Je pense que c'est là. Ah, il y a encore une fleur. On va tout récupérer quand même. Hein. On ne sait jamais. Ça me semble bon. C'est parti. Oh. Ah, ce coup. Voilà. Et on ouvre. Alors là, on va essayer de pas trop faire la bourre. Hein. Traverse les toits en marchant sur les fils. La lampion utilise LS pour garder l'équilibre. Ah, d'accord, ok. Hop. Impeccable. Eh, c'est joli, ça. Ça fait vraiment ninja. C'est sympa. J'aime bien. Alors, je sais pas s'ils peuvent me voir si je passe là quand ils sont en train de passer juste devant. On va pas prendre le risque. On va juste attendre qu'ils se retournent et on va traverser. Et c'est vraiment sympa. Hein. J'adore ce jeu. Je sais pas pour vous, mais moi, j'adore. Allez, cassez-vous. Voilà. On se remet en mode discret et on va traverser ici. Vite fait. Hop, 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 hop. Voilà. Tout dans la discrétion. Puisqu'il le faut. Ici, on va... Non, c'est pas ça que je voulais. Merde. Oh. Chaque fois, je me trompe de bouton. Alors, on va essayer de libérer comme ça. Ah, mince. Hop. Ça va être chaud. Je crois que ça va pas marcher. Non, ça ne fonctionne pas. Ouais. Voilà. Là, on est assez discret quand même. Hein. Ah ouais. Ah, merde, j'ai fait une connerie. ouais. Ouais, a fait bêtise au crade là. Allez, on y va, à la bourre, hein. C'est pas grave, on a fait bêtise, on va se rattraper. Bim, boum, haya, haya. Allez, hop, on y va. Et yes. Voilà, donc là on récupère ce qu'il faut. On va aller libérer les animaux qui est en bas, là il y a une petite statue. Voilà. Apparemment, c'est pas obligatoire de les libérer, mais vu l'XPEX que. L'XPEX, tout à fait. L'XP que ça ramène, ça vaut quand même le coup. On libère le chat. Miaou. Merci, le chat. Voilà. Donc là maintenant il va falloir que je refasse tout le tour et ça c'est pas cool. Je sais pas comment je vais pouvoir remonter. Un peu embêtant. Ah peut-être là oui. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Non, ça va pas le faire. Non, ça va pas. Yes. Allez, c'est parti. On va traverser là. En essayant de pas se foirer ce coup-ci. Ouais, en essayant. Bien sûr. Quand on essaye, des fois, ça ne fonctionne pas tout de suite. Ouh, ouh.
Allez, tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Yes, yes. C'est bon. Alors là, on est passé. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Apparemment, il n'y a pas de soldats. Mais on va quand même traverser juste pour voir. Un autre angle de vue. Ah, s'il y en a. Oh, s'il y en a. On les attaque? Allez, c'est parti. Oui, oui. J'adore les petits bruitages. Franchement, c'est très sympa. Hop, on va prendre le point de sauvegarde ici. Non, on va le prendre après. On va d'abord tuer les archers, sinon ils vont réapparaître la prochaine fois. Oh, j'avais pas vu cela. Bon, on va aller tuer les archers d'abord. Ok. Et là, on va prendre la tornade. Hop, hop, hop. Et voilà. Plutôt pratique. Hop. Sur ce coup, on prend des fruits. Ah, ils ont pas aimé la petite tornade. Hein. Ça, fallait que ça arrive quand même. Hop, on récupère l'XP. On libère les animaux. Classique. Et voilà. Et on sauvegarde puisque cela fait 20 minutes qu'on est en let's play. Donc, vous savez ce que ça veut dire, hein, sauvegarde. Ça veut dire c'est la fin. Et bien voilà, on va se quitter ici dans ce magnifique temple pour la suite la prochaine fois. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Moi en tout cas je prends vraiment un réel plaisir sur ce jeu. Ça fait vraiment... C'est agréable, voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, c'est Théocrade. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer, c'est très important. Allez, ciao ciao!